Parce que on est arrivé ce matin, je vais mettre là, voilà comme ça. On est arrivé ce matin à 11h je crois. Je me suis mise sous un bon angle et j'ai entendu la baie vitrée s'ouvrir. Donc je disais, on est arrivé à 11h. Et du coup on a été chercher la voiture, ça a été une galère. Parce qu'en fait il fallait attendre une meuf dans un point et en fait elle n'est jamais venue. Et on arrivait van privé, alors que c'est quand même censé être un truc low cost. Donc on avait réservé une Smart. Et on arrive là où du coup on avait réservé la voiture. Mercedes. Il y avait que des Mercedes, mais genre vraiment c'était sponsor Mercedes. Et là on s'est dit... c'est bizarre, c'est un truc low cost. Déjà on arrive en van privée, genre Uber, et on arrive que des Mercedes. Et en fait au final on a été surclassé, mais c'est plus du surclassage à ce niveau là et donc voilà, je sais pas comment ils font, mais on a payé 100 euros, c'est ça à peu près, hein? On a payé 100 euros la semaine. Ouais. 150, non, 100 euros. On a payé 100 euros la semaine, donc fin juin. Après, il y a le Covid, donc je sais pas s'ils ont baissé les prix ou pas pour une Mercedes. Donc voilà, après, on est parti manger en centre-ville parce qu'il y avait le match de la France. Donc, on a essayé de trouver, un bar qui faisait resto et qui diffusait le match. Et après, du coup, on a été chercher l'appart et on est arrivé à l'appart, on s'est posé un peu. On a été faire 2-3 courses et après on a été voir le match du Portugal. Bref, je vais vous montrer l'appartement maintenant. Même si tout le monde s'en fout. Donc là on arrive, c'est l'entrée. Hop, ensuite il y a une première chambre juste ici. Voilà, elle est assez grande. De l'autre côté il y a un balcon, mais il est tout petit franchement, et voilà. Hop, ensuite il y a du coup notre chambre. Bon, c'est le bordel hein, déjà. Voilà. C'est parce que je me suis changée. Mais voilà, c'est super mignon ça. Et là, il y a aussi un balcon. Du coup, nous avons la salle de bain. Salle de bain basique. Hop, avec une douche, hein, on s'en fout. Hein. Et ensuite, on tombe du coup sur le séjour. Avec le salon, la cuisine. On a fait les courses du coup. Hop. Et le mieux du mieux, c'est la terrasse. Donc là, il y a une terrasse là déjà. Qui est quand même assez grande. Hop, vue sur la mer et la piscine juste en bas. Et il n'y a personne, comme je vous ai dit. Genre vraiment à côté, il n'y a personne. En bas, il n'y a personne. Il y a un vieux. Là, je crois, il y a des gens. Et peut-être là. Et après, là, tout ça, c'est fermé. Là, en face, ben, les hôtels et tout, ils sont tous fermés. Une madame en face. Où ça? Ah oui, elle est sur sa terrasse. Elle est là. Bonjour. Tu seras sur un vlog. Voilà, il n'y a personne. Et avec le Covid, c'est impressionnant, mais il n'y a vraiment personne. Et là, du coup, on a un barbecue et 2 transats. Et là, c'est super grand. Franchement, c'est vraiment trop, trop bien. C'est super bien équipé. Et en fait, on n'a pas payé cher. On a payé 700 euros la semaine à 3, du coup. Et vous pouvez venir à 4, même 5, 6 même. Le canapé, il s'ouvre, non? On peut, ouais, facile venir à 5, je pense. Donc ouais, vous pouvez venir à 5, donc ça, c'est vraiment pas cher du tout. Et les prix, ils augmentent pas trop, même en plein mois d'août, je crois. Ça doit être quoi, max 900 euros. Arrête, t'es vraiment chiant. Hein. Jeanne, mais bon plan. Parce que c'est ça aussi, nos vacances. Si on peut partir en vacances plus souvent. Parce qu'avant, on partait souvent en vacances. Et en fait c'est des vacances pas chères et vraiment super bien. Parce que là franchement on est grave bien. On est à même pas 5 minutes des bars. Et on est même pas à 10 minutes de la mer. Et du grand centre-ville du coup d'Albufeira, on est à pied on est à 35 minutes. Et en voiture on est à même pas 10 minutes.
5 minutes. 5 minutes en voiture. Le Uber, il coûte 3 euros. 3 euros le Uber. Enfin, vous voyez, on a. Enfin, voilà. Franchement, c'est un point super. Donc voilà. Et on se retrouve demain. Demain, il fait pas beau. Demain, il pleut. Du coup, ben, on va aller faire les boutiques. Voilà, demain il pleut et après toute la semaine il fait. On récupère un élément perturbateur. Ouais, on récupère quelqu'un. Attention, hein, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. À mon avis. C'est quelqu'un. À mon avis, la caméra, je vais pas la tenir longtemps. On est obligé de se lever à 7h du matin pour aller le récupérer à l'aéroport. Mort. Là, on s'est levé tôt pour aller récupérer notre bouffon là. Et là, il est là, il est juste devant. Et du coup, on a préparé genre un truc spécial Uber. Parce que vu qu'on a été surclassé. Genre. Petit masque de proximité. Nico il a été ouvrir le coffre et tout. Fait le Uber jusqu'au bout. Hein. Hein Franchement je mérite au moins ça. Allez-y monsieur. C'est pour la commande monsieur Normand. On n'est pas gavé bien là s'il te plaît. Regarde, on n'a pas tout préparé. Non. Les excursions. Non, dégagez bien. Ça fait 10 minutes qu'ils veulent faire leur prochain épisode. Et je les aime bien. Vas-y, ça te dit pas, on va à la plage, faire du jet ski, je sais pas. Non, du coup, on empile des rochers. Genre. Finalement, on a fait un petit. Hein. Je refasse. Vas-y. Refais, on fait genre que t'as. Ouais. Du coup, là, on est rentré de la plage. Il y a eu une péripétie à la plage, hein. J'ai failli mourir 50 fois et personne m'a sauvé. Attendez. Vas-y. Ouais, du coup, on a fait une petite randonnée. Genre, on a marché sur des rochers et tout. Et je suis tombée, regardez. Je saigne, je suis tombée du rocher. J'ai éclaté mon appareil photo. Mais ça va, j'ai géré, hein. Hein. J'ai géré ma chute, non. Les poignets peuvent en témoigner. Bonne de bâtard. Pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait, mais pas grand chose. En fait, on n'a pas fait grand chose parce que. Ben, en fait, il a pas fait beau. Il a pas fait très très beau les deux jours, ben, les deux premiers jours, quoi. Donc du coup, bah, comme quand on a récupéré l'autre guignol là, on a été faire les boutiques toute la matinée. Voilà, on a fait un petit peu les boutiques et tout. Ensuite, on est parti au centre-ville et on a mangé. Et voilà, après on est parti un peu à la plage. Et donc du coup, aujourd'hui, on s'est levé, il faisait pas non plus très très beau. Enfin, en fait, il y a du soleil, mais il y a du vent. Et donc du coup, bah, impossible de se baigner, quoi. Il fait trop... Enfin, il y a trop de vent, quoi, tout simplement.
Donc du coup aujourd'hui on n'a pas fait non plus grand chose, on a marché jusqu'au centre-ville ce matin, on a mangé tranquille et tout. Après on a été à la plage et là on vient de rentrer, on a été à la plage faire une petite sieste. Et là, en tant qu'on est en vacances, on est d'accord. Et là il y a Mathéo qui est en train de faire du sport. En même temps on fait que bouffer, franchement c'est pour ça que je filme pas non plus. Parce qu'on est tout le temps au resto, tout le temps en train de bouffer et tout le temps en train de boire. Comme je l'ai dit, je voulais en profiter, donc j'en profite beaucoup là. Mais on fait que manger et que boire. Et on est tout le temps au resto, tout le temps au bar et tout. Du coup, bah, je crois qu'il veut perdre des kilos. Déjà. Du coup, je vais vous montrer. C'est guignol. Il fait du sport et Nico, il est en train de le regarder sur le transat avec un verre de coca et du Nutella à la main.